Je suis en fait avec vous ce matin en ma qualité de troisième agent au maire de Porte-Nouveau, représentant Monsieur le maire de la ville de Porte-Nouveau.
son excellence Charlemagne à côté, vraiment empêché. Son excellence à tout seigneur, tout honneur, son excellence, très chère maman, madame la préfète du département de l'Ouest. Honorable membre de la délégation gouvernementale, honorable député à l'Assemblée nationale, madame et messieurs les membres des conseils de supervision des mairies d'Adjara et de Porte-Novo, distingués conseillers municipaux, majesté Mito Akrogan Ken, Akboto Zoumé Akrogan, parrain des manifestations de la présente édition. Majesté Tête Couronnée, très chers invités, en vos qualités grandes, tout protocole observé. C'est avec une grande joie que je prends la parole devant vous à la tribune de cette cérémonie extraordinaire qui célèbre la 30e édition de la fête des religions et cultes endogènes. Au nom du maire de la ville de Porte-Novo, son excellence Charlemagne Yakouti, je vous adresse ces salutations les plus chaleureuses. Malheureusement, il n'a pas pu être présent parmi vous, non, en raison de sa participation aux côtés du président de la République aux manifestations des Vodoungues à Ouida. En cette période spéciale qui coïncide avec la fête des cultes endogènes, permettez-moi également de vous présenter les vœux du maire pour une meilleure, merveilleuse année 2024. Puisse cette année nouvelle apporter prospérité, bonheur et paix à chacun de vous, ainsi qu'à nos communautés. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'ici à Malawi pour cette occasion unique. Votre présence témoigne de votre attachement profond envers nos traditions, nos valeurs et nos cultures partagées. En ce jour de célébration et de partage, je vous encourage à profiter pleinement de chaque moment, à vous immerger dans nos traditions et à célébrer notre diversité, notre vivre ensemble. Merci à tous pour votre présence et votre engagement envers nos cultures ancestrales. Que cette journée soit empreinte de joie, de paix et de fraternité. Vive la fête du Vodou, vive notre patrimoine culturel. Je vous remercie. Et par le pivot de Méditerranée, Dando et Mepo, Dando Nora Mitoé, Dando et Dokwelona et Christian Mepo. Niche, Mipo, Vodou, Quelle est l'omité? Dimi, quand le fidi, mais à mon amour, Vodou, à où l'on est clair, Mando Vodou, mais non. Et des menores après, il doit être mort, jamais plus jamais. Madame Tro, ne m'en contente pas, tu me dis pas. Madame Tro, menores, Maduro, Goko, Goko, menores, Maduro, Mazoua Mumba, Eneutu, nous mettons la haine comme Mepo, c'est là qu'elle a mis le coton. Peut-être que nous sommes là, on Emma one, Amen.
Chers élus communaux et locaux du département de Lomé, Monsieur le ministre du Roi, en charge des religions et cultes du Vaudou du département de Lomé, le mitor à Clogan-Guin à Côte-Zoumé. Chers sommités et responsables de culte et religion du Vaudou de Lomé, du Bénin et des pays voisins, Majesté, tête couronnée, notable, sage et dépositaire des connaissances du Vaudou, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, tout protocole observé. Chers fidèles du Vaudou, chers partenaires des communes du département de Lomé, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir rehaussé de par votre présence et votre participation active cette fête des cultes et religions du Vaudou dans le département de Lomé. Merci à Mitton, à Clogan,
et toute son équipe pour les dispositions prises pour l'organisation de cette cérémonie riche en couleurs. Je voudrais également adresser avec déférence les vives reconnaissances et gratitude des populations des 9 communes du département de Lomé à son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef du gouvernement, au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et à tous les autres membres du gouvernement pour les multiples projets réalisés et ceux en cours de réalisation, non seulement dans mon ressort territorial, mais aussi dans le Bénin entier et qui s'inscrivent dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine culturel, et la promotion du tourisme. Je m'en voudrais de ne pas en citer quelques-uns. Il s'agit entre autres de la rénovation du site de Soquet dans la commune d'Adjara, que je désigne souvent par analogie comme la Cour suprême du Vaudou dans le département de Lomé. Le musée international du Vaudou de Porto Novo. Le Vaudou Days que nous célébrons actuellement à Ouida dans un décor magnifique avec des infrastructures structurantes, connexes, etc. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres fortifient tous les membres du gouvernement et son chef, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qu'il fortifie les gardiens des temples du Vaudou, ceux qui assurent la pérennisation de ce que les ancêtres nous ont légué. Qu'il fortifie chacun de nous ici présents et qu'il accorde à tous une longue et heureuse vie et que le Bénin rayonne tout au long de cette année 2024 et jusqu'à l'éternité. Je vous remercie. Thank you.
Thank you.
Can you pop up?